Assalamu alaikum, приветствую вас на канале Fun Studio. Тема про мою мину, которую я нашел. Для продолжения. Приехали минеры. Сейчас с ними идем на раскопки. На месте будем дальше смотреть. Là, c'est sa mine contre personnel. C'est pas ça. Ah, ça lourd, 10 kg, pas à peu près comme ça. Oui, c'est pas une mine antipersonnelle. 10 kg, c'est plus une. Ouais, c'est un peu lourd. Une antipersonnelle, elle va la faire entre 100 et 500 grammes maximum. Мина у нас пролежала 3 дня без надзора. Сейчас будем смотреть. Je déplacé. Je trouve par exemple à côté petit chemin. Oui. J'ai déplacé un mètre un peu loin. Quand je trouvais, je mets sur le YouTube, je fais vidéo sur le YouTube, mais quelqu'un me disait, oui, c'est peut-être la mine. C'est mieux si vous appelez la police. Oui, il faut toujours faire attention. Ouais. Je pense que si c'est pas vraie mine, ça gros panique à cause de ça. Oh, bah. Je le sais. Il faut mieux s'inquiéter que ce soit rien, plutôt que de ne pas s'inquiéter. Ouais. J'ai même proposé à la police qui est venue ici, je vais vous enlever si vous voulez. Non, non, vous touchez pas. Non, non, ici. Ça reste. Вчера все так волновались. 99% ты сделал видео, а 1% остался. Вот вашими молитвами продолжение. Сегодня позвонили, приехали. Сейчас будем смотреть, что к чему. Так что, думаю, этот репортаж стоит подписки на мой канал. Не забывайте об этом. Вот. Так. Вам ничего не стоит, а мне приятно, что канал будет развиваться. Donc je trouve là, c'est là, oui. Et je mets ici. Ah, et maintenant. À quel côté? D'accord, bah c'est de toute façon c'est par là. Exactement. Oula. C'est profond. Je vous demandais simplement de ne pas filmer pendant qu'on fait notre intervention. Non. Non, c'est pas une mine. C'est pas une mine? Parce que je. Aussi pour ce truc. Oui. Bon, effectivement, si ça, c'est la mine, c'est pas comme ça. Ça a bien la forme d'une telle mine 42 allemande, mais elles sont légèrement plus grandes quand même.
Non, non, ça c'est pas... Alors après, qu'est-ce que c'est? Après, vu le poids, ça fait un peu trop lourd pour une mine, ça. Ouais. Non. Pas une roue de chariot, mais... Une roue de chariot, une... Ça a l'air un peu... Ou une poulie. Une poulie, ouais. Ah non, bah c'est pas grave, hein. C'est bien, c'est pas mieux. On est là pour ça, hein, y a pas de soucis, hein. T'aurais pu, hein, c'est pas impossible. En revanche, faites quand même attention en détectant, parce que je sais pas si c'est légal. Vous savez qu'il y a des... Ah, si la détection c'est pas professionnel, oui. Oui, c'est pas après, professionnel, tout dépend, ça... Tout dépend des endroits. Ouais. Puis autrement, après, bah, si jamais vous retrouvez quelque chose à peu près comme ça, ou même un obus, parce que ça c'est pas impossible d'en trouver, ne déplacez pas. À la limite, laissez-le dans le trou dans lequel vous l'avez trouvé. Vous rebouchez et puis vous mettez un petit marquage, un petit bois ou une petite trace sur un arbre à côté. Hein, quelque chose d'assez discret comme vous avez fait là. Mais surtout, ne cherchez pas à sortir la chose et à la déplacer. Parce que les mines anti-char, il y en avait qui étaient piégées par-dessous avec des fils à traction. Ouais, ouais. Donc c'est vrai qu'avec le temps, il y a très peu de risques qu'elle démarre. Ouais. Mais on ne sait jamais. Si vous tirez sur une mine... Puis que vous la déclenchez, on retrouve même pas le caméscope, on le retrouve pas. Hein. Oui, oui. Après, quand j'ai trouvé ce truc, je lis l'information. Ça, plusieurs choses sont faites. Pour... Ah ben, il y a des accidents. Ouais. Chaque année, il y a encore à peu près une dizaine de personnes qui sont tuées avec les munitions. Ouais. Donc, comme on dit à chaque fois, ça a été fait pour tuer. 70 ans après, ça le fait encore très bien. Donc faites toujours attention, si vous faites de la détection, vous êtes susceptible de trouver de la munition. Alors même si c'est rouillé, faites attention, à l'intérieur ça fonctionne toujours très bien. Ouais. Mais ce que vous avez fait, la démarche était la bonne là. Hein. Réenterrer de manière à ce que si quelqu'un passe à côté qu'il ne le voie pas, comme ça reste en sécurité, puis ben, après on intervient. Qu'est-ce que vous avez déjà trouvé en détection? Comme ça, vous avez trouvé des pièces des... Ah, j'ai juste commencé. Première, deuxième fois, j'ai fait et je trouve ça. Et vous êtes axé sur quoi? Plus sur quel genre de découverte vous cherchez, vous espérez? Si monnaie, quelque chose comme ça. D'accord. Monnaie ancienne. Ouais. Même je n'ai pas bien connaît le détecteur, comment j'ai utilisé. Et pour ça, peut-être, j'ai trouvé cette métal. Ah bah après, le détecteur, oui, en fonction de la... Plusieurs positions. Voilà, c'est surtout la taille, le volume. Le volume, puis la profondeur. Оказалось, не миной. Все, друзья, на этом фильм заканчивается. Если вам понравилась история, подписывайтесь на канал. Всем удачи, с вами Маликов.